Je suis contente que vous trouviez ça aussi amusant. Vous êtes fous, tous les deux. Vous auriez pu vous faire tuer. Mais de toute évidence, nous sommes vivants. Laissez-moi vous présenter Rosita. Ma fidèle compagne qui passe son temps à me réprimander. Ouais, elles font tout ça. Rosita. Joli nom. Bonjour, Rosita. Je vais être obligée d'aller démonter tous les pièges. Ils n'auront servi à rien. Nous n'avons plus que 20 minutes avant l'enterrement, n'oubliez pas. Et ensuite, on retourne au TARDIS, d'accord? Un enterrement? Ah, c'est une longue histoire. Ce n'est pas le mien, pas encore. Je ne suis plus aussi jeune que je l'étais. Eh bien, moins que quand vous étiez moi. Quand j'étais qui? Vous ne me reconnaissez vraiment pas? Pas du tout. Mais vous êtes le docteur. Le prochain docteur. Ou le prochain après le prochain, enfin un docteur futur. Non, ne me dites pas ce qui m'est arrivé. Encore que... J'espère ne pas avoir trébuché sur une brique, ce sera embarrassant. D'un autre côté, c'est sans douleur. Il y a pire, enfin ça dépend des briques. Ce que vous dites n'a aucun sens. Et pourriez-vous me dire qui vous êtes exactement? Oh, je suis... Je m'appelle Smith, John Smith. Mais moi, je sais qui vous êtes, docteur. Vous êtes une légende, si je peux me permettre. La modestie m'interdit d'abonder dans votre sens, monsieur, mais oui, oui, c'est vrai. Une légende qui souffre de petits problèmes de mémoire, je me trompe? Comment vous le savez? Vous m'avez oublié. Oui, il est vrai que tout un pan de ma vie m'a été dérobé. Chaque fois que je veux me tourner vers le passé, il n'y a rien. À quand remonte cette amnésie? Au duel avec les Cybermen. Les maîtres de l'atrocité que nous venons de combattre, ils comptent parmi mes plus vieux ennemis, et aujourd'hui, ils sévissent dans Londres. Vous ne me croirez sans doute pas, monsieur Smith, mais ce sont des créatures venues d'un autre monde. Ah, oui. Waouh. Ils seraient apparus ici, venus d'on sait où, tombés du ciel dans un grand éclat de lumière. Et ils m'ont retrouvé. Une chose a été volée. Et une autre a été perdue. Comment étais-je? Dans le passé. Vous savez, j'ignore si je devrais vous le dire. Désolé, il faut être prudent avec l'amnésie, un seul mot de travers. C'est très étrange. Je vous parle de Cybermen, venus des étoiles. Et pas le moindre clignement de paupières. Oh, les clignements! Ne clignez pas des yeux, vous vous souvenez? Surtout ne clignez pas des yeux où vous êtes mort. Les statues, Sally et les anges, ça ne vous dit rien? Vous êtes un homme très bizarre. Je le suis toujours. Quelque chose ne tente pas. Oh, l'enterrement! Il commence à 14h! Ravi de vous avoir rencontré, monsieur Smith. Surtout n'en parlez à personne. Oh, je peux vous accompagner? Non, c'est bien trop dangereux. Et rassurez-vous, cette ville est en sécurité sous ma garde. Oh, j'oubliais. Je vous souhaite un joyeux Noël, monsieur Smith. Joyeux Noël à vous aussi, docteur. Cyber-Ombre 16 a établi le contact. Observez bien l'ennemi. Cet homme est dangereux. Cet homme est notre ennemi. Cet homme est le docteur. Depuis 15 jours, reculez-vous. L'attaque est programmée pour 14h. Le bon déroulement de l'ascension en dépend. Tous les éléments sont-ils en position? Je crains que cela ne dépende que de vous. Je ne peux que promettre de faire de mon mieux. Définir les paramètres pour de mon mieux. Comment dites-vous déjà? Je vais accomplir cette tâche avec le maximum d'efficacité. Et respecterez-vous votre part du marché? Avec la nouvelle ère, vous serez anobli dans la cour du cybermonarque. Le cybermonarque va se réveiller. Le cybermonarque va se réveiller, oui. En effet. Tout comme un homme. Si vous voulez bien m'excuser, je dois me rendre à des funérailles. Le regretté révérend Fairchild vient de quitter sa paisible demeure pour la toute dernière fois. Son âme repose en paix. Bien. À présent que la maison est vide, je vais m'y introduire par l'arrière, tandis que vous retournerez au TARDIS. Tout ceci n'est pas un travail pour une femme. Oh, et quand il s'agit de vous sauver la vie, c'est un travail pour une femme, peut-être? La compagne du docteur fait ce que le docteur dit. Dépêchez-vous,